en ce moment, quand je suis arrivé, il est un leader sur le terrain toujours. Il est un leader différent, pas peut-être que tout le monde attend un leader qui... mais il est un leader avec sa qualité, avec sa confiance sur le terrain, avec son courage sur le terrain, de faire toujours un rencontre. Il veut toujours, toujours gagner avec sa fin, avec sa... sa capacité de combattre, il aime la compétition, et ce sont des choses que tu as besoin si tu veux être un leader. On a créé un groupe avec des joueurs comme Ander, comme Pablo Sarabia, comme Keylor Navas et tous les autres qui sont rentrés. Ce sont des gars qui savent très très bien que c'est nécessaire de comment vivre ensemble, comment faire un entraînement ensemble, comment créer une atmosphère entre nous et ça. Que ça a rendu l'histoire encore plus belle. Les personnes se souviennent des prix et des trophées que mes équipes et moi-même ont pu lever. Mais moi, je me souviens surtout des moments d'isolation où j'étais seul face à tous les avis, face à toutes les opinions pour revenir et face à moi-même, face à mon corps aussi. Et à chaque fois, je suis revenu et le Vincent qui est revenu n'était pas un Vincent qui exigeait moins de lui-même ou exigeait moins ou qui demandait à l'équipe d'exiger moins. Ensuite, je commence une nouvelle étape et c'est une étape que je commence à avec tout ce que j'ai. Je disais avec mon sang, ma sueur, toute ma concentration, ma passion, tout est dedans. Je ne suis pas venu à Anderlecht parce que mais mon plus grand objectif encore, c'est de faire en sorte que ce club et tous les gens derrière ce club, et je le sens chaque jour, c'est comme un mini pays. Thank you.
also it brings together my identity as a football player. You know, I've been a football player since I was 7 years old, you know, playing out in the California heat with my dad as my coach, and you know, going to Northwestern and playing on a Big Ten championship team and toiling my way through the league undrafted and getting fired every other day until I made it and became a team captain. You know, football's fundamental to who I am as a person. And then, you know, on the other side, as a business leader since then, for the last decade of sharpening my analytic thinking and leading organizations at their toughest moments through real complex transformation, like there's no other thing that would bring those two together so neatly as this. In home, at home, where I don't have to move, like, I mean, cheers, boys. Cheers, boys. Cheers, everyone. Into zone B and on the face.